Waouh. J'ai un truc de malade. Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez bien vu, j'ai le casque de réalité sur la tête. Aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu qui a été développé pour la VR. Ça a l'air d'être un truc de malade. Regardez, je suis un aigle. Mais je ne suis pas n'importe quel aigle, puisque je suis un aigle qui va survoler Paris. C'est un truc de malade, vous avez vu? C'est un truc de fou. En tout cas, ça a l'air d'être trop joli. Très bien, c'est parti, let's go. On est sur Eagle Flight. Donc, c'est un tout nouveau jeu qui est sorti sur les casques VR. Développé, édité par Ubisoft. C'est la toute première fois qu'Ubisoft nous développe un jeu pour la VR. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, regardez ça, il y a des pigeons et tout. Comment que c'est... Oh mon vieux. Alors je sais pas combien de temps est-ce que je vais pouvoir jouer à ça, parce que disons que j'ai un petit peu le mal de l'air. Mais bon, là pour l'instant, ça va tranquille. En tout cas, franchement, c'est super joli. Moi, je kiffe et tout, les graphismes et tout là. Les petits pigeons à côté, ça déchire. Et donc le but, comme je vous l'ai dit, on a un aigle et on va devoir survivre dans Paris face à tout ce monde animal. En fait, si vous voulez, Paris a été abandonné par les humains. Et du coup, la végétation, comme vous pouvez le voir, la nature a repris ses droits. Et bah, c'est parti, mon vieux, let's go. Allez. Oh putain. Ouh, ce délire, mon vieux. Comment que c'est. Oh, oh, puis j'ai le vertige, moi, je vous raconte même pas l'affaire. C'est un truc de malade. En tout cas, je sais pas vous, mais j'ai l'impression de reconnaître un petit peu la patte d'Ubisoft au développement. Ça me fait penser un petit peu à Assassin's Creed, voyez. Sauf que cette fois-ci, on est un aigle. Et c'est un truc de fou. Alors vous allez voir que l'histoire va nous être narratée. Ça se dit narratée? Va nous être racontée par un narrateur. Et sous forme le un petit peu de reportage animalier. Écoutez. Paris. Les humains ont quitté depuis bien longtemps ces rues. Et la nature a repris ses droits. C'est ce que je vous les disais. Les loups et les biches ont élu domicile ici. Ils partagent cette jungle urbaine avec les animaux exotiques échappés du zoo. Des prédateurs cherchent leur prochain repas. Des charognards se nourrissent sur un cadavre. Regardez ça. Ça passe. Votre aventure ne fait que commencer. Vous devez désormais trouver votre place en ce monde. D'accord. Donc c'est ce que je vous disais, notre aventure commence. Va falloir qu'on survive dans ce Paris. Donc va falloir manger, va falloir attaquer d'autres animaux pour survivre. En fait, si vous voulez, là, j'ai lancé la campagne solo. Mais le jeu est aussi multijoueur. C'est du PVP, du 3 contre 3. Et donc, sur une map à monde ouvert. Et le but, je pense... J'ai pas encore essayé le multijoueur. Hein. Le but, je pense, c'est de manger plus que les autres. Enfin, de survivre, quoi. C'est un petit jeu de survie, en fait. Et là, je me suis lancé dans la campagne. Et je me suis dit que ça pouvait être cool... Continuer d'incliner la tête, ok. Je me suis dit que ça pouvait être cool de lancer un petit let's play sur ce jeu. Qui vient tout juste de sortir. Ça fait plaisir, un petit jeu d'Ubisoft en réalité virtuelle là. Pensez à incliner la tête pour tourner plus facilement, d'accord. En fait, si vous voulez, pour me diriger, j'ai juste à faire ça. Voilà, faut pas trop que je fasse ça, enfin ça si je peux regarder comme ça. Mais voilà, si je penche plus, je tourne plus vite. Et si je penche un tout petit peu, ça tourne juste un tout petit peu. Voilà, maintenez RT pour accélérer. Oye aïe aïe. Oh regardez, regardez, je suis un truc de malade, ça passe. Wouh. Oh putain. Oh comment c'est excellent. Oh c'est excellent. Attendez, ouais je ralentis. Tranquille, voilà. Tranquille, ralenti, voilà, maintenez. Ok, ralentissez pour effectuer des virages plus précis. Ok d'accord. Eh ben c'est plutôt sympatoche tout ça. Regardez ça. Wow. Putain mon vieux, j'ai failli manger le mur. Je vous raconte même pas le délire. En tout cas c'est super beau. C'est excellent, qu'est-ce qui se passe? J'entends un moineau. Oh non, c'est un aigle mon vieux. Voici votre nid, traversez l'icône pour retourner au menu principal. Ok, appuyez sur A pour continuer. D'accord, très bien. Donc je vous dis en fait, la manette, elle sert juste apparemment à attaquer, accélérer ou freiner, c'est tout. Pour se diriger, c'est tout au mouvement de la tête. En haut, en bas, à gauche, à droite, enfin vous voyez, c'est tout au mouvement de la tête. Et bah c'est parti mon vieux. Vas-y, on va aller rejoindre le nid bien tranquillement. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes chaud pour qu'on fasse un petit let's play sur le jeu. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit commentaire, un partage. Ça fait plaisir. Ok, d'accord. Il faut que j'aille ici, je pense. Oh là là. Voilà, ça y est. Par contre, combien de temps est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vous dis, j'ai un petit peu le mal de l'air, moi, à ça. Histoire, vol libre, partie en ligne. D'accord, c'était le tutoriel, en fait. Oh, regardez, tout, il y a des secrets à découvrir, carrément. Notre-Dame, le Louvre, Sacré-Cœur, Panthéon, la Tour Eiffel. D'accord, partie en ligne, comme je vous le disais.
initiation, option. Eh bien, je pense que nous, on va se lancer tout de suite dans la campagne. C'est parti. En plus, je vous raconte même pas, je viens de manger là. C'est un truc de fou. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Ubisoft présente. Une production Ubisoft Montréal. Vous êtes dans le noir, seul et affamé. Et votre instinct vous pousse vers la chaleur. Oh, c'est bien fait. C'est excellent. Quelqu'un vous attend dans le monde extérieur. Votre mère. Je suis un bébé. Votre père. Et quelqu'un d'autre. Ce délire. Voici votre famille. D'accord, c'est ma famille. Et on va devoir survivre avec ma famille. Après toutes ces années passées à survoler Paris, vos parents connaissent tout de cette ville. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais Les quartiers sont pleins de mon père et ma mère. Plein de proies et de prédateurs. D'endroits dangereux et de recoins plus sûrs. Un jour, vous aussi, vous les connaîtrez par cœur. T'inquiète, je vais les connaître par cœur. Oh, la grande roue! Les éléphants aiment se réunir à proximité du Louvre. Les canaux sont remplis de poissons. Mais prenez garde aux vautours. Prenez garde aux vautours. Oh là là, c'est excellent, la sensation autrefois de vol et tout. Symbole majestueux de l'ingénierie humaine. La tour Eiffel est désormais la demeure de quelques oiseaux chanceux qui profitent de ces superbes panoramas. Regardez, je vais faire un truc de fou. Je tente. Wouh, wouh. Excellent, trop fort. Je vais suivre mes parents, ma famille. Si, la famille, on va les suivre tranquillement. Oh, regardez comment ils vont partout et tout. Wow. Wouh. Oh, regardez, il y a des biches et tout. Je pense qu'après, on va pouvoir les attaquer et tout. Ça va être un truc de malade. Les corbeaux ont élu domicile autour du Sacré-Cœur. Ils utilisent les ruelles étroites. Je sais même pas comment j'ai fait pour passer, mon vieux. Wow. Réside dans les grottes sous la cour. Wow. Ah, c'est super bien fait. C'est bien la petite narration parce que ça fait genre... vous voyez, ça fait genre petit reportage animalier et tout. Je kiffe, franchement. La narration, elle va super bien avec le jeu. La bande-son et tout. C'est excellent. Oh, regardez, c'est mon petit frère, ça. Je vais le suivre. Oh, le boost que j'ai pris. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, c'est les boosts. Je vais passer... Non, je vais les suivre. Tranquille, on va éviter de faire trop les malins. Voilà. Wouhou! Les arches ombragées et les plafonds en pierre du Panthéon sont le refuge idéal pour les chauves-souris. D'accord. Ah ouais, ici c'est les chauves-souris. Les loups se promènent parfois près du jardin botanique. Ouh, à mon avis, les chauves-souris. Ressemblent d'ailleurs plus à une jungle. Et pour finir, Notre-Dame. Ce quartier a toujours été un refuge. Notre-Dame, c'est là, je pense. Un havre de paix au milieu des rues plus fréquentées. Alors, je pense qu'on va avoir des secrets à découvrir et tout. On va certainement avoir des secrets à découvrir et tout au long de l'aventure. Chapitre 1, nouvel envol. Ok. Ce Paris envahi d'animaux reste magnifique. Waouh, c'est beau en tout cas. La nature peut y être aussi impitoyable car... C'est bien fait. Mais vous trouverez votre place ici. Vos ailes se renforcent et vous apprenez peu à peu tout ce qu'un aigle doit savoir. Oh merde! Oh bah j'ai mangé un coin de mur, mon vieux. Bah vous vous êtes écrasé, bah tu m'étonnes. Paris envahi d'animaux reste magnifique. D'accord, ok. C'est pas le Panthéon, ça? Des fois? Non? Je m'y connais pas tellement sur les bâtiments parisiens. Il me semble que c'est le Panthéon, ça. Ah! J'ai découvert un truc. Oh, les girafes en bas et tout. Oh, putain, comment qu'on est. Oh mon vieux. Le rayon lumineux indique l'emplacement d'un nouveau défi. Appuyez sur A pour continuer. Ok, donc d'accord, ça va être nos objectifs du coup. Très bien. Et on va aller ici. Premier défi. Ok. D'autres animaux ont élu domicile dans ce quartier. Allez, à la rencontre des éléphants. Visez le centre des anneaux pour obtenir un boost de vitesse.
Ok, jouer, vas-y. Ok, allez, c'est parti, let's go. En avant. Visez le centre. Regardez ça. Wouh. Oh, comment que c'est excellent. Ça déchire. Ça déchire. Oh, c'est trop bien. Oh, les flammes en rose et tout. Wouh. Putain, c'est chaud, mon vieux. Comment que c'est chaud. C'est hardcore. Ça passe. Tranquille. Easy. Wop. À l'aise. Yes. Oh là là, c'est excellent. Tu passes dans les petits les petites cavités et tout là. Oh putain, c'était là. Ok. Ok. Voilà. Un petit boost. Ça fait plaisir. Ça. Yes. Ah franchement, c'est excellent. La sensation de vol qu'on a et tout, ça tue quoi. Je saurais pas trop comment vous décrire ça, mais c'est vraiment c'est vraiment énorme. C'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression d'être un aigle quoi. Ouh. Putain, j'ai eu un petit... Ça m'a fait un petit effet Hulker là. Vous voyez, j'ai eu un petit coup de vertige, j'avoue. Waouh. Ouais franchement là j'ai niqué le record là. Non. Bah bien sûr, 3 étoiles. Alors, réessayez. Non, non, c'est bon. Ça va aller, continuez. Oh là là, j'ai niqué le record. Donc je pense que du coup, il y aura des secrets à découvrir dans la ville et tout. Là, on va aller se diriger vers ce défi, tranquillement. Voilà, yes. Petit défi. Le deuxième. Comme tout être vivant, doux foyer. Vous avez besoin d'un bon foyer. Explorez Paris allez pour trouver des plumes. Pour améliorer votre nid. D'accord, ah, on peut améliorer son nid. En fait, apparemment, si vous voulez, la campagne solo, c'est un moyen de nous préparer. C'est un tutoriel pour le multijoueur, en fait, si vous voulez. Apparemment, c'était marqué ça. Moi, j'ai lu un test, je sais plus sur quel article, mais il disait que la campagne solo, c'était vraiment pour nous préparer au mode multijoueur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense que on finira d'abord la campagne. Bon, écoutez, on va prendre un peu d'auteur. Ouh, il y en a une là-bas, déjà. J'en vois une juste ici. On a 15 plumes à trouver. Putain, 15 plumes à trouver comme ça dans toute la ville. Ça va être chaud, mon vieux. Oh putain, comment que c'est bien fait par là. Waouh. Une plume ici. Yes. Ok. Ça fait 3. J'en vois une direct là-bas. Une là, une là-bas, une là-bas. Ok, j'en vois 3 déjà. Ok, c'est parti. Let's go. On y va. Allez hop. Wouh. Celle-là, c'est bon, c'est cool. Celle-là, c'est cool. Y en a pas une sur la tour Eiffel? Y en a une là, ok. Ici, y a rien, d'accord. On va faire demi-tour, tranquille. On va aller voir s'il y aurait pas une plume plus haut. Ouah, ça passe. Oh putain. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Ah non. D'accord. Oh putain, ok. Vous êtes écrasé. Merde. Wouh. Ça passe. Pas de plume dans le coin. Si, il y en a une là-bas. Yes. Ah franchement, en tout cas, je me répète, mais la sensation de vol, c'est énorme. Oh yes, il y en a une juste ici. Wouh. Ça passe. Yes. Celle-là de tout à l'heure, c'est cool. Yes. 14. Plus qu'une. Il y en a une là-haut. Je l'ai, c'est la dernière. Allez, vas-y, à l'aise. Ok, regardez, on prend ça avec style. Wouh. Un petit piqué. 3 étoiles. Ben oui, bien sûr que j'ai 3 étoiles. Alors, nouveau élément. Vous pouvez désormais récolter des plumes dans toute la ville. Ah yes. Putain, ça va être cool, franchement. Vous devez progresser dans l'histoire pour débloquer de nouveaux chapitres et d'autres défis. D'accord, continuez. Remporter des étoiles pour débloquer les défis experts. Appuyez sur A pour continuer. Ah, je sens que je vais bien m'éclater, franchement, sur ce jeu. Ça va être un truc de fou. Donc ça, c'est fait. On va faire ce petit défi. Tranquille. Voilà. On va se jeter sur celui-là. Les tunnels du quartier valent le détour. C'est agréable ce vent sur vos plumes, non? Parcourez ce trajet aussi vite que possible. D'accord. Ok. Trésor enfoui. Repérez les courants pour prendre de la vitesse et réaliser le meilleur temps. Easy. Ok, c'est parti. Allez, let's go! Je vais te le faire le meilleur temps. Ah ouais. Merde, d'accord. Ok, on a un compteur juste au-dessus de nous. Allez, c'est parti. Ok. Waouh. Franchement,
Ça va être tendu. Ça va être tendu. Va falloir qu'on prenne tous les courants d'air. Oh putain, il y a des biches et tout. Ça me fait penser un petit peu... Wouh, des loups. Ça me fait penser au film Je suis une légende. Merde, il y avait un courant d'air à gauche. Bon, il y en a un aussi là. Le film Je suis une légende avec Will Smith. Il est excellent ce film. Putain, il y a des ours et tout. Ok. Yes. Le petit courant d'air qui va bien. Putain. Ok, je me suis écrasé. Allez, petit courant d'air, ça c'est cool. Est-ce qu'on prend celui à gauche? Ouah putain, mais comment c'est chiant mon vieux. Wouh. Bah franchement, il y a des fois, je sais même pas comment j'ai fait pour passer là. Comment que c'était chaud. Merde, il y avait un courant d'air en bas, j'aurais pu le prendre. Ok, c'est pas grave. Je me suis pas planté, je prends les virages à la corde, tranquille. Oh merde, putain, je croyais que c'était un courant d'air. Ok, on est reparti dans les tunnels de la mort. J'ai l'impression que j'ai fait encore un meilleur temps que tout à l'heure là. Parce qu'à chaque fois, je recommence, hein, c'est un truc de fou. Merde, j'aurais pu passer en bas. J'aurais également pu passer en haut. Putain, c'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai fait encore un meilleur temps, quoi que tu me diras. Non, j'étais à peu près par là tout à l'heure. Y a pas un courant d'air ici? Non. Ok. Oh là là, je suis carrément dans les métros et tout. Yes! Combien de temps? Une minute à peu près. 1,05. Ça va, j'ai les 3 étoiles, franchement. Oh, ça déchire. Ok. Écoutez, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode sur Eagle Flight. En tout cas, franchement, il est super bien. Moi, je kiffe pour l'instant. Bah, dites-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Si vous êtes chaud pour un petit let's play, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça me ferait plaisir. Et c'est un truc de fou. On croirait que je reviens du ski, mon vieux. J'ai la marque des lunettes. C'est un truc de malade. Et franchement, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je joue. Mais j'ai carrément envie de connaître la suite et tout. J'ai limite envie d'y retourner maintenant. C'est un truc de malade quoi. Et je pense même que c'est ce que je vais faire. J'ai carrément envie de me replonger dedans. C'est un truc de fou. Bah du coup je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Ciao tout le monde.